Est-ce que vous êtes comme moi à adorer passer des heures, même à ne pas voir le temps passer, à écrire des paroles, composer des mélodies, trouver des accords qui vous plaisent, passer du temps à créer les grilles ou des partitions avant de les délivrer aux musiciens avant les répétitions? Contre le moment venu de vous asseoir et de commencer à apprendre par cœur des paroles, et bien d'un seul coup l'enthousiasme a disparu. Ou alors vous êtes dans cette situation que chanter n'est pas votre métier, que vous adorez cela, ou que vous allez monter sur scène pour la première fois pour interpréter des chansons seul ou en chorale, et le temps vous manque, vous ne savez pas comment faire pour apprendre par cœur ces paroles. Même peut-être l'idée de vous, quand vous vous projetez le jour du concert, vous sentez déjà une panique monter, une sorte de tension intérieure qui était en train de vous dire avec une petite voix peut-être, même si tu prends du temps à apprendre par cœur les paroles, peut-être vont-elles partir se faire la belle. Et tu vas perdre tous tes moyens. Peut-être vous faites partie de ces gens-là que passer du temps à apprendre les paroles, c'est ok. Mais par contre, vous avez beau les répéter, rien n'y fait. Elles ne veulent peut-être pas s'inscrire dans votre mémoire. Alors, j'ai lu divers ouvrages ou reportage, et j'ai compris que nous avons divers mémoires complètement différentes et que nous sommes pas tous avec le même fonctionnement pour apprendre par cœur. Alors, pour nous donner toutes les chances, je nous propose d'utiliser plusieurs mémoires, même si vous êtes peut-être plutôt kinesthésique ou vous êtes peut-être plutôt visuel, comme une grande majorité des gens. Oui, il s'avère que même les musiciens ont plutôt une mémoire visuelle plus qu'auditive. Mais ça, c'est un autre débat. Et je nous propose donc d'utiliser la mémoire kinesthésique, visuelle, et je nous fais grâce de ne pas utiliser de métronome aujourd'hui. Par contre, nous allons parler tempo, ou plutôt divers vitesses de rap et de chant. Pour illustrer et avoir un exemple, j'utilise aujourd'hui une hymne que j'ai écrite pour une chorale à la Cité des Formations, un CFA, et j'ai l'honneur et la chance de mener une chorale avec des gens extrêmement enthousiastes, fort sympathiques, qui ont envie de bien faire, qui par contre ont des plannings surchargés et pour qui trouver des moments dans la semaine pour apprendre par cœur n'est pas toujours une chose évidente. Alors, cette hymne s'appelle « Vibrer, être écouté ». Avant toute chose, avant de parler de différentes mémoires, très important de prendre des petits bouts par petits bouts, mais de ne pas toujours rester seulement sur le début de la chanson. Parce que ça, c'est souvent extrêmement facile d'acquérir rapidement les bouts de mélodie et les paroles. Seulement, il ne faut pas consacrer trop de temps à cette première partie de chanson, puisque après, on a quand même plusieurs pages à apprendre. Donc, il est préférable de séparer les petits bouts, Je parlais de mémoire kinesthésique. C'est la mémoire qui utilise les déplacements et les mouvements. Il n'est pas question ici de faire les mouvements sur scène, mais
vous êtes toute seule ou tout seul chez vous, dans votre salon, votre studio, votre bureau peut-être, à une pause au travail, dans votre chambre ou bien ailleurs dans votre voiture. Et il n'est pas question de surjouer le jour où vous allez monter sur scène. Là, il est question de juste faire des mouvements pour que notre corps, notre mémoire, notre cerveau puissent imprimer ces paroles. Je laisse spontanément mon corps faire des mouvements en fonction des paroles. Donc là, situé, et je les parle avant de mettre la mélodie. Situé au nord de Tours, une cité s'active. Des apprentis accourent pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Ok. Alors là, j'ai laissé spontanément des mouvements se faire. Je vais essayer de refaire exactement les mêmes choses. Et pourquoi pas les yeux fermés, puisque le but quand même est d'apprendre les paroles. Donc, si à un moment donné j'ai un doute, hop, je rejette un coup d'œil rapide et je referme les yeux. Situé au nord de Tours, une cité s'active. Je rejette un petit coup d'œil. Ah bon, des apprentis accourent pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Ok, ça c'est une première étape. Après, je prends la deuxième partie, ce qui suit, et je passe beaucoup de temps dessus, jusqu'à imprimer cette chose théâtralisée, en quelque sorte. En deuxième temps, je vais utiliser la mémoire visuelle. Alors, si jamais vous adorez dessiner, les paroles peut être un super moyen. Là, je vais plutôt nous inviter à visualiser. Alors, vous mettez dans une position confortable, soit debout, soit dans un siège, voire allongé. Et comme vous avez déjà commencé à apprendre, vous fermez les yeux et vous imaginez le décor, les bâtiments, les personnes, les déplacements. Vous imaginez sur une carte, ah, c'est à Tours, au nord de Tours, et une ambiance positive, des sourires, etc., etc. Et puis vous passez à la deuxième partie, puis à la suivante, puis à la suivante. Et vous restez un long moment avec ça. Et tout cela, vous ne le faites pas forcément une fois, vous le faites plusieurs fois. Peut-être deux fois dans la semaine, ou trois fois. Et peut-être à nouveau la semaine suivante. Et une fois que tout ça a bien été préparé, mentalement, physiquement, eh bien, nous allons rapper, puis chanter à diverses vitesses. Alors, si je ne me trompe pas, la vitesse originale est à peu près celle-ci. Je suis peut-être un peu lente, mais bon. Située au nord de Tours, une cité s'active. Des apprentis accourent pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Bien sûr, je peux toujours rajouter les mouvements, puisque là, je ne suis que moi avec moi, personne ne m'observe. Et le jour sur scène, j'aurai préalablement fait passer du temps pour l'interprétation. Là, on est seulement à la mémorisation. Alors, à la même vitesse, au même tempo, avec le chant. Situé au nord de Tours, une cité s'active, des apprentis accourent pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Okay? Donc là, je l'ai chanté un peu grave, l'original est un tout petit peu plus aigu. Et j'augmente la vitesse. Situé au nord de Tours, une cité s'active. Des apprentis accourent pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Situé au nord de
Tout une cité s'active, des apprentis à court pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Et encore plus vite, située au nord de Tours, une cité s'active, des apprentis à court pour se former à des métiers dans une ambiance positive. De plus en plus vite et en bougeant. Située au nord de Tours, une cité s'active, des apprentis à court pour se former à des métiers dans une ambiance positive. Je crois que j'ai perdu un petit peu en vitesse. En tout cas, vous avez compris l'idée. Le moment extraordinaire, idéal, c'est quand nous sommes capables de tout rapper extrêmement vite en vous déplaçant et de tout chanter la mélodie à une vitesse extraordinaire, du début jusqu'à la fin de la chanson, bien sûr. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite, si vous avez un concert bientôt ou dans une semaine, ou dans un mois ou dans 3 mois, je vous conseille de bien vous préparer, de briller sur scène. Si jamais vous avez envie de développer l'art d'écrire des paroles, de composer des mélodies, de trouver des accords qui vous plaisent, de développer votre touche personnelle et que cela n'est pas encore votre métier, ou que vous êtes amateur, ou que c'est votre métier mais que vous avez un petit peu le syndrome de la page blanche ou que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, je vous offre une séance de coaching. Si cela vous intéresse, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous rêvez d'offrir un cadeau extraordinaire, mais que vous ne voulez pas du tout créer de chanson, simplement chanter une œuvre taillée sur mesure à offrir à un être cher, eh bien je me ferai un plaisir de la créer pour vous et de vous accompagner pour l'interpréter de la meilleure façon et que vous puissiez briller sur scène. Vous aurez compris le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur, que la créativité soit avec nous, que l'enthousiasme pour apprendre par cœur des paroles soit présent. Et bravo à vous d'avance.